Salut, comment ça va? Aujourd'hui j'ai décidé de ranger les deux meubles à chaussures, pourquoi pas le faire ensemble. Voilà, je me suis dit ça passerait le temps, ça peut être sympathique, et puis voilà, je pense pas faire beaucoup de tri parce que j'avais déjà fait, mais bon, écoutez, je m'installe, je te montre tout ça, et c'est parti! Voilà comment ça se présente. Donc j'ai deux petits meubles à chaussures qui se présentent comme ceci. Voilà. Alors. Le plus simple. Ces petits meubles sont pratiques quand on n'a pas beaucoup de place. Et au départ, quand on les a achetés, ça a servi à quoi? À ranger des vêtements dans un placard. Ensuite, ça a servi toujours à ranger des vêtements, c'était pour les enfants. Et puis, là, ça a pris son rôle de range chaussures. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vous savez, c'est comme les petites armoires. Voilà. Ici, j'ai mis au-dessus deux petits cartons, en fait, sur le dessus. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc au-dessus pour que ça consolide un petit peu. Et donc voilà un peu le foutoir, le bazar. Voilà. Alors, je vais m'avancer un petit peu. Alors, j'ai mon copain le déambu, hein, déambu. Voilà. Aujourd'hui, parce que pour m'asseoir, ça sera beaucoup plus simple, même pour me pencher. Alors, je vais me mettre un petit peu. Je ne sais pas si vous allez peut-être me voir. Ouais, vous allez voir juste mes genoux, mais bon. Et peut-être passer les chiens aussi, éventuellement, parce que ça me suit. Donc, alors, je vais enlever déjà les chaussures. Je vais faire ça en accéléré. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est vide. Alors, ce que je vais essayer de faire, du coup, ça va pas du tout être pratique. C'est pas grave. Je vais laisser ça là. Je vais me débrouiller. Voilà. Alors, si je vais me débrouiller, je vais me mettre comme il faut. Ça sera plus simple. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre chaussures plus été d'un côté, plus hiver de l'autre. Alors, ça fait un peu le bazar entre monsieur, les enfants et puis moi. Hein. Chérie a peut-être presque autant de chaussures que moi, si ce n'est plus d'ailleurs. On va faire ça. Donc, je vais d'abord faire celui-là, après celui-là. Je vous fais tout ça en accéléré et je vous montre après ce que ça donne.
Voilà. Alors, se mettre un petit peu comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Du coup, là où j'ai mis mes trucs d'été, ce qui est bien, c'est que celles-ci, on peut les mettre les unes sur, je peux les mettre les unes sur les autres. Donc voilà, c'est nickel. Ça, c'est plus pour l'été. Ça, c'est pour chérie. C'est pareil, sachant que il y a encore, alors bien sûr, comme d'hab, une paire de chaussures dans la chambre. Je reviens. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Donc ça, je vais les mettre là comme ça. Ça, voilà, ici le basket. Hop, hop, voilà. Et là, il y en a deux petites d'été. Donc moi, je peux faire ça. Je peux faire ça. Hop. Et voilà, c'est Tigo. Ouais. Alors, nous avons ça, basket, tu peux mettre ça, ça peut mettre l'été. Ça, c'est des baskets qui sont à moi. Enfin, ça, c'est en chaussures, vous savez. Voilà, toutes fines. Enfin, toutes fines, qui sont bien pour les pieds. Ça, bah, c'est petit basket. Ça, c'est mes baskets. Alors, oui, ça, c'est presque. En fait, c'est presque les mêmes. Et voilà, celles-ci, elles sont plus comme ça, avec une petite fleur. Toutes simples. Celles-ci, elles sont simples. Voilà, ça fait un moment que je les ai. Elles sont nickel. De chez H&M, d'ailleurs, c'est Chérie qui me les a offert. En bas, c'est plus ces chaussures pour l'hiver que pour ça, Chérie. Ensuite, oui, je vous bouge. Désolée si je vous donne le tournis. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis les chaussons pour les enfants ici. Sachant que, qu'est-ce que j'ai encore fait, j'en ai pas, j'ai tombé une, hop, voilà, chaussons, chaussettes, donc chaussons pour les enfants, chaussettes, je vais les mettre là, les chaussures des enfants, ma belle-fille, son frère, son plus grand frère, ça pour l'hiver, chérie, les gros chaussures, vous voyez, qui sont, voilà. En bas, bah, c'est plus les miennes, ce pareil, chaussures plus hiver, les bottines. Celles-ci, normalement, elles sont en vente. Et j'ai fait un petit peu de tri. Pas beaucoup. J'ai mis. Alors, en fait, je m'étais pris celle-ci, mais comme j'ai mon pied qui a encore bougé suite à une crise, bah, je ne les ai pas. Elles sont belles, elles vont bien, elles sont neuves, elles sont chichines, elles sont impeccables. Sinon, elles font un super pied. Si vous entendez du bruit, c'est Junior qui boit. Il y a des grosses babines, on dirait que. Alors c'est Kawat. Je me suis trompée. Bref, voilà, elles sont toutes mimi, elles sont comme ça, sont confortables. Ici, c'est bien quand on a des soucis avec le pied. Qu'est-ce qu'il y a? Celles-ci aussi, qui sont bien, mais bon, c'est pareil, ça me sert un peu maintenant là, donc c'est pas la peine que je les garde au cas où. Et j'ai celle-ci qu'il va falloir que je... Ouais, je les vire, celle-ci. Ça ne sert à rien que je les lave. Je ne les mets pas, en fait. Donc, du coup, je vois pas pourquoi je vais les garder. Celles-ci, elles sont bien. Donc, je peux les mettre en vente. Je vais les mettre là-haut. Et donc... voilà pour ce petit rangement. Assez rapide, hein, vous voyez. Alors moi j'aime bien faire comme ça si je peux. Le mieux c'est vrai que d'avoir un grand, quelque chose de plus grand, mais en attendant c'est très bien. J'aime bien pouvoir classer les affaires. Donc j'avoue que j'ai quand même quelques paires de baskets, mais ça va. Là en fait ce qu'il me faudrait c'est juste une petite paire de chaussures d'été, mais avec un talon un petit peu plus grand. Puis voilà en fait. J'avais déjà fait du tri, j'ai des chaussures qui sont que j'ai mis à vente sur mon Vinted. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une vidéo, donc quand je ne sais pas, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutient. Des petits commentaires, des vues, un partage, ça fait avancer la chaîne, ça me soutient aussi également, puis c'est gratuit.
Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, puis en attendant, prenez bien soin de vous.